Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir deux émulations en plugins de matériel vintage hardware allemand. C'est le compresseur U73B de chez Audifade ainsi que le saturateur U78. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux si la vidéo vous plaît. Bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens dans la description pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement. Et il y a même un petit lien PayPal si vous souhaitez m'offrir un petit café. Votre soutien est important pour faire grandir la chaîne et pour que je puisse vous présenter bien plus de contenu. Si vous souhaitez avoir les informations sur ces deux VST, vous pouvez aller directement sur le www.shop.audifiate.com. Vous allez arriver directement sur ce site. Et vu que les deux VST viennent d'être mises à jour, vous avez des promotions pour le prix de lancement, sans compter les promotions d'été. Donc sur le site d'Audifade, vous aurez chacun des VST directement à 79$. Donc ce sont deux émulations vintage qui ont été recréées à partir des circuits du U73B. Il y en a un qui va faire compresseur limiteur et l'autre saturateur. Je vous laisserai aller lire toutes les petites informations directement sur le site. Vous allez pouvoir aussi retrouver tous les VST Audifade puisqu'ils en ont une sacrée collection directement sur le site de Plugin Boutique si vous avez un compte. Le saturateur va être à 75€. Vous allez avoir toutes les petites informations sur le matériel en sachant qu'il va fonctionner en VST 3, AU, AAX pour Windows comme pour Mac, que ça soit pour le U78 comme pour le U73B. Après, vous avez même un pack pour ceux qui aiment les émulations de hardware vintage où vous avez le compresseur, le saturateur et un equalizer vintage pareil qui a été recréé et donc vous avez tout l'ensemble. Maintenant, on va aller voir ce que donne le compresseur et le saturateur directement dans Studio One. Et bien sûr, vous aurez des liens affiliés pour les deux VST directement dans la description de la vidéo. Donc pour pouvoir vous présenter ces deux petits VST, j'ai créé une petite session qu'on va s'écouter de suite. Donc il y a quelques mélodies, on a des drums et on va avoir une 808. J'ai mis le saturateur directement sur la 808, sur les drums, le compresseur directement sur le bus de drum et sur mon bus de mélodie. Et enfin, on va avoir le compresseur sur mon bus master avec aussi un éhanceur de chez Audifade. Donc, on va pouvoir détailler tout ça. Si on écoute la compo telle qu'elle, ça va nous donner ceci. Voilà, vous voyez à peu près l'ambiance du morceau. Maintenant, si je coupe tous les effets et qu'on réécoute exactement la même session, ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous allez voir la grosse différence qu'il va y avoir. Donc là, tous mes effets ont été coupés. Je remets les effets. Maintenant,
Maintenant, on va se faire un petit tour du propriétaire du compresseur. Donc, quand on prend le compresseur de chez Audifield, au départ, vous allez avoir la petite loupe qui va vous permettre d'agrandir l'interface un peu comme vous en avez envie, histoire d'avoir une meilleure visibilité. Ensuite, vous aurez la possibilité de mettre un filtre pour pouvoir couper les basses fréquences en ce qui concerne la compression. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir utiliser le sidechain, donc soit individuel, left, right, left plus right, et enfin le sidechain externe pour pouvoir commander la compression dans le cadre d'un sidechain conventionnel, par exemple entre un kick et une basse. Ensuite, vous allez avoir un bouton on-off, un potentiomètre de calibration. Je l'ai testé sur 9 par rapport au drum à ma basse. Ça donne à peu près de bons résultats. Ensuite, on va avoir un switch qui va nous permettre de passer du compresseur bypass au milieu limiteur. On va pouvoir régler le release en sachant qu'on peut aller de 0,3 jusqu'à 10. Ensuite, on va avoir un bouton compression amount pour doser la compression, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir doser le taux de compression et mélanger le son compressé et le son non compressé. Ici, on va avoir un petit switch auto qui va nous permettre tout simplement de pouvoir compenser automatiquement l'apport qu'on va donner en input et le résultat final sur le output. Donc si je mets mes drums en fonction, les drums donnent ceci. Donc là, j'ai le saturateur en plus. Si je coupe le saturateur, ça va donner ça. Si je coupe le compresseur, ça donne ça. Et là, dessus, en plus, j'avais ma tranche de console SSL. D'accord ? Donc je remets ma petite tranche de console qui m'a servi à faire mes équalisations. Si je remets le compresseur, j'augmente le taux de compression. On sent bien l'apport du compresseur. C'est pour ça que je me suis mis à peu près à 50%. Après, je pourrais jouer avec le release. Ensuite, si je rajoute le saturateur, donc là, ça me modifie le son. En sachant qu'au niveau du saturateur, cette fois, on va avoir un potentiomètre de calibration, un potentiomètre de gain. Ensuite, on va avoir un high pass qui va nous permettre de couper les basses fréquences. Donc là, moi, je m'étais mis à 30, c'est-à-dire que je coupe tout ce qu'il y a en dessous les 30 Hz, et au niveau des hautes fréquences, je m'étais mis à 6000 pour pouvoir retirer tout ce qu'il y a au-dessus des 6000. Donc si je remets en fonction, ensuite on a un potentiomètre qui va nous permettre soit d'être en dark, flat,
donc à peu près plat, et bright. Donc pareil, on sent bien l'apport que ça donne. On va avoir un potentiomètre de mix pour pouvoir doser le son avec saturation du son sans saturation. Et on a un autogain ici, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter du gain qui va passer à l'intérieur du VST, le réglage de l'output va se faire en automatique. La qualité sonore est vraiment bonne. On peut vraiment donner une vraie couleur au son. Après, en ce qui concerne ma basse par exemple, donc sur la basse, j'ai mon BXDIN EQ qui me sert pour faire mon sidechain avec le kick, comme d'habitude. Ensuite, j'ai mon petit equalizer, donc le Brainworks Digital V3. Et direct derrière, j'ai mis le VST de saturation. Si je le coupe, ça va me donner ça. Donc ça me permet de rajouter des aigus, puisque là je me suis mis en bright. Si je passe en dark, donc ça me permet de jouer sur mes médiums. Ici je suis venu me mettre à 1000 Hz, là j'ai coupé à 30, et ça me donne une très très bonne tenue à ma 808. Donc si je remets les drums et la 808. Si je veux un son plus dark, et là je rajoute la saturation. Donc on a quand même un très très bon contrôle de tout ce qui est distorsion, et ça donne vraiment un son très chaleureux. Ensuite, sur les mélodies, j'ai ma console SSL et j'ai le compresseur. Donc là pareil, j'ai déterminé mon release. Je me suis mis en auto pour pouvoir agencer correctement le contrôle du gain. Si je retire le compresseur, ça me donne ça. Si je retire la tranche SSL, ça donne ça. Compression.
ma basse. Et ensuite, sur mon Busmaster, j'ai remis un compresseur. Cette fois, je suis allé à peu près à 50%, je suis resté assez léger. Et en plus, j'ai rajouté un petit éhanceur qui vient aussi de chez Audifay, qui va me donner ceci si je le rajoute. Excellent VST, et notamment aussi, ils font pas mal de VST pour tout ce qui est guitare et basse. Alors moi, j'ai quelques VST pour la basse. Vous avez aussi le mix checker que vous allez pouvoir mettre directement sur votre main mode pour pouvoir en fait tester vos mix comme si passé sur différents supports. Mais je vous ferai une vidéo exprès pour ce VST par la suite. En tout cas, Audifay, c'est vraiment une très bonne petite marque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque Audifay qui fait vraiment de très bons VST, que ça soit pour la guitare, la basse, pour le mix, le mastering. Ils ont d'excellents outils. Là, je vous ai présenté un compresseur et un saturateur. Personnellement, je trouve qu'ils ont une très bonne qualité sonore, c'est pour ça que je vous les ai présentés. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est le type d'outils qui peuvent vous intéresser, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!